Et oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait l'intro de stream avec ma voix extraordinaire et mes talents de chanteur tout à fait dissimulés. D'ailleurs, je vous indiquerai l'autre canal sur lequel vous pouvez exclusivement trouver mes titres particuliers. Il y en a 79 déjà. Chaque titre fait environ 23 secondes. Et je ne désespère pas de sortir un album bientôt. Bon, trêve de conneries. Aujourd'hui, c'est le stream de la souffrance concernant notre collection de shmup. Puisque je vais m'aventurer sur des terres inconnues que vous pourrez entendre au loin, au fond. Et qu'il est fort probable que j'en tire un souvenir amer au-delà du simple sentiment de déception. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va tester ensemble un truc qui s'appelle Heavy Metal. Alors, Heavy Metal. Métal hurlant? Alors, on regarde, on se renseigne, et en fait, il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, on peut complètement oublier cette extraordinaire revue et dessin animé premier du nom, non moins extraordinaire pour l'époque. Et du coup, j'ai cherché un peu plus loin, je me suis dit, Métal hurlant, alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Serait-ce par hasard ce truc? Et là, j'ai commencé à être un petit peu plus content. Non, ça c'est la webcam, tu arrêtes. Et il est où? Le voilà. Donc je me suis dit, c'est ça. De la baston? Mais c'est un système CPS2, dites-moi! Donc, un début de rictus commençait à me gagner. Un début de sourire et de joie non dissimulé. À part que je réalisais que je n'avais pas à faire un shmup. Mais tant qu'à diversifier des expériences, autant balancer ça dans les streams généraux de The Big Gamowski plutôt que la rubrique spécialisée. Qu'en pensez-vous, les amis? Et voilà donc ce qui s'est passé par la suite. Hop, arrêt du bousin, envoie de la purée. Vous allez comme moi subir Heavy Metal, qui en fait s'avère être ceci. Je vais vous demander de vous pousser, messieurs. Merci. Alors, Heavy Metal, qu'est-ce donc? Moi, j'ai vu la démo. Alors, c'est comme vous, hein. Première fois. Je vous laisse regarder. Après, on discute de ce que vous avez compris. Vous le sentez monter ce petit sentiment étrange? Alors, certes, oui, on shoot des choses. On détruit, on anéantit allègrement tout ce que la civilisation peut apporter comme évolution et qu'on croise et qu'on ne connaît pas. Ce qui pourrait s'apparenter quand même à une forme de xénophobie. Et le tout dans une ambiance qui. On se demande presque si on ne peut pas scroller sur les côtés à perpète. Et là, du coup, on aurait le shmup Dungeon Crawler. C'est pas ça la sensation que vous avez? Alors du coup, ben, curiosité donc, on va faire un petit rush dedans, puis on va voir de quoi il en retourne en situation. Là, je vais prendre sur mon argent de poche de la semaine plutôt que de taper maman, parce que j'ai un petit peu honte, je me demande ce que c'est que ce jeu. Alors oui, vous êtes surpris aussi. Vous êtes surpris que je sois réellement surpris. Mais no bullshit, on fait des streams live. Quand c'est un jeu que j'essaye pour la première fois, je vous le dis. Et celui-là, je ne sais même pas s'il rentre dans la catégorie shmup du coup. Donc on va découvrir réellement en même temps. Bonjour. Oui. Ok. On va faire ça. Je peux me déplacer. Par contre, le scrolling avance lui aussi. Ah. Ok. Doucement, les amis, c'est mon dépucelage là. On y va, mollo. Hop, hop, hop. Donc ils arrivent ici. Hein. On va pas faire le mec qui a inventé l'eau froide. Bonjour, ami. Déjà rien que pour se mettre dans l'axe du truc, c'est pas mal. Je ne cherche pas des excuses. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis dans l'axe, bordel, là, non?
Pan, 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 je vais te tuer. Méchant. D'accord. Et j'ai un super tir donc à distance pour défoncer la peste, on va dire communiste. Ça nous arrangera. Puis c'est tellement coutumier et old school et rigolo à la fois. Que. Ah. Et ça fait comme sur les vrais jeux d'arcade pour avoir les diagonales. Enfin, les vrais jeux d'époque. Pour avoir les diagonales, je vous garantis que je suis en train de pleurer. Mais du sang. Et des bouts de cerveau peut-être même avec. Ouais. On va dire qu'il n'y a pas de continu parce que je sens qu'en 1985, c'était pas trop la tendance. Ah putain, si! Celui-là, on se l'avance. Celui-là, je suis désolé, le stream va peut-être être un peu plus long que la moyenne, mais moi, je veux savoir. I want to know what love is. Oui, allez chercher sur YouTube une de ces autres chaînes où ils vous passent des titres complètement pourris des années 80. Ok, donc ça c'était la démo de ma super bombe. Mais comment je devine où ils sont les mecs hors de l'écran vu que les plus gros sont hors de l'écran? Je ne comprends pas tout en fait. Peut-être subtilité, il y a. Enfin, pour l'instant, vous avez ce que vous avez vu de la subtilité, c'est ça. Donc, on va pas s'affoler. Oh putain, dès que je touche un truc, je ne peux plus faire la diagonale. Fais des choses dégoûtantes à ta maman en kilt. Ah mais non, on va pas être potes là, les gars. C'est quoi ce... Tiens, tiens. Ah, du coup, il m'a fait disparaître. Hop, 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 hop. Je ne peux pas tirer vertical. Putain, mais... En fait, dès qu'on touche une paroi, je vous explique, hein, parce que vous ne manipulez pas, et c'est pas évident à comprendre. Mais dès qu'on touche une paroi, votre véhicule est coincé dans la position dans laquelle il était. Tout simplement. De là à dire le mot vous êtes zé, c'est exactement ça. Vous êtes même plus que Z, vous êtes double Z, quoi. Parce que les passages en plus sont relativement étroits. Donc faut un petit peu feinter, y aller au culot en disant ouais, ça passe. Ah, ça y est, je suis libéré. Aux joies, au bonheur. À moi le vent, à moi les grandes étendues et les missiles dans la gueule. L'infirmière? Oui, je sais, le traitement en JDG comme d'hab. Et hop, 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 hop. Faut pas que je sois méchant avec ce titre, il est très vieux. Il faut que je reprenne mon esprit d'enfant. Et je me dise, ah oh, putain, je suis en train de claquer de la monnaie dans de la haute technologie de merde! Oh, piqûre. Ah, merci infirmière. Sors de ce corps, Fred. Tu n'es pas chez toi. On peut continuer là? Oui. Oh, j'ai bien peur qu'il me... Ah, vous ne verrez pas plus loin, les amis. Je pense pas que je vais mieux jouer après, de toute façon. J'avoue que... Le gameplay me donne guère envie de sacrifier ben, toutes ces minutes de ma vie que je vais regretter sur mon lit agonisant. En me disant que j'aurais fait le con à faire un stream pour un shmup qui n'était pas terrible, terrible. Vous comprenez? Comment ça arrive bientôt comme date? C'est qui a dit ça dans le fond? Je prends les pseudos, faites gaffe. Nom de Dieu, ça va pas se passer comme ça. Hein. Alors. L'autre, il arrive, bim bim bim, après. On va dire c'est du shoot stratégique, vu qu'en fait il faut juste se rappeler. Non, du shoot stratégique, regarde. Mais tirer dans des trucs, ça n'a jamais été stratégique, mec. Mais si, je te jure, regarde. Piu piu piu. Ah, à propos de piu piu piu, on m'a redemandé. Les t-shirts arrivent vraiment. Il y a vraiment des t-shirts de Shmupper. Avec le gros logo The Big Gamoski qui arrive. Alors. Pour l'instant, il y en aura de nombreux exemplaires tirés à 1, le mien. Par contre, si vous trouvez ça tellement con et que vous en voulez un, je pense qu'on ouvrira ça sur un truc où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Je pense que The Big Gamoski est promis un très très gros avenir de merchandising. Et oui, je le dis directement, là, je sens que... Et n'ayant pas de retenue dans les éléments créatifs, je sens qu'on va faire des trucs géniaux. Comment ça, je m'éloigne du stream? Oui, je m'éloigne du sujet du stream parce que ce jeu me fait allègrement chier. Ça y est, je l'ai dit. J'avais jamais dit ça dans un stream jusqu'à maintenant et on a streamé ensemble plus de 80 shmups. Ah putain, ça se soulage. Merci. Donc voilà, c'était le stream où je me fais chier. Parce que ce jeu avait des intentions tout à fait louables et intéressantes. Mais niveau réalisation, moi en fait, c'est juste le coup, comme j'ai tenté de vous expliquer. Que dès que votre véhicule touche un bord, il est bloqué dans la position perpendiculaire de ce bord, quoi. Donc vous ne pouvez plus faire de diagonale. Et...
Et je trouve ça d'une connerie, même pour 1985, vous voyez, je ne pardonne pas. Donc, heavy metal, foutez-le dans votre caisse à déchets, pas à déchets, mais à archives, restons corrects, car il ne mérite vraiment rien d'autre que le respect d'avoir existé et d'avoir eu de charmantes intentions concernant l'univers du shmup. Mais aucun regret à ne pas être sympa avec ce titre, parce que l'effet entertainment n'est pas là. Sur ce, on va se quitter. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager pour la faire connaître. Profitez-en qu'on est là pour déconner, parce que bientôt je serai racheté par Bouygues et Francis Kunz aussi. Ils ont les mêmes penchants, donc c'est normal. Allez, trêve de conneries. À bientôt. Ciao.